Salut les Lacomptes, bienvenue sur l'actualité de notre football. On commence par une bonne nouvelle du côté de Marseille, le premier contrat professionnel de Raymond Daou avec l'OM. Le Comorien entré face au Benfica va droit au but dans le projet marseillais. On continue du côté de la France avec la fin de saison et une bonne saison pour Yannick Pandore avec le RC Lens et la sélection. 20 matchs, 18 buts encaissés, 9 clean sheets. Pandore mérite-t-il une place de numéro 1 en club ou en sélection? Du côté de la Ligue 2 maintenant, c'était inespéré, mais ils l'ont fait. Le Rodez d'Abdelhakim Abdallah se qualifie au second tour de barrage de Ligue 1 dans un match fou. En battant le Paris FC, ils ont affronté l'ASSE ce vendredi. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Fin de saison pour Hakim Abdallah, l'AS Saint-Etienne élimine son Rodez et le RAF sera en Ligue 2 la saison prochaine. Prochain match pour Abdallah, 7 juin contre Madagascar. Et en parlant de Comores-Madagascar, voici la liste des Comores contre eux et le Tchad pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, avec des absences notables comme Rafiki Saïd et Ismaël Bourra, des retours notables comme El Fardou, Rafidine Abdoullah et Faiz Matoir, et un nouveau arrivé qui est Ryan Lutin. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis sur la liste des Comores. Et si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher votre like.